soleil, du grenache dans le verre, et bien évidemment, ce vent qui est autour de nous, qui va s'inviter pendant cette dégustation. Vous imaginez peut-être où je suis en pleine vallée du Rhône, juste derrière moi, il y a les dentelles de Montmirail, nous sommes posés pour 3 jours à Rasto. Ce petit village de Rasto, dont les amateurs de Côte-du-Rhône ont déjà entendu parler forcément pour ses vins rouges, mais aussi cette petite particularité pour faire des vins doux naturels. Donc, nous allons rencontrer des vignerons, nous allons discuter terroir, nous allons discuter qualité. Et avant tout ça, bien évidemment, une dégustation. Je me suis enfermé pendant 3 heures pour déguster plus d'une quarantaine d'échantillons. Que des rouges, Rasto, majorité de grenache, 50% minimum, mais des styles très variés. Alors, j'ai gardé 10 petites sœurs autour de moi, 10 coups de cœur, ou en tout cas, l'envie de vous faire découvrir des styles différents, parce que c'est ce qu'on raconte souvent sur Tellement Soif. Sur une étiquette, vous avez le nom d'une appellation, mais à l'intérieur de ces appellations, il y a toujours énormément de nuances. Allez, on commence le jeu avec une première cuvée, domaine Champfort, La Plane. Alors, pourquoi j'ai garder ce vin en dégustation, parce que pour moi, il était assez important de poser les bases. Qu'est-ce que c'est qu'un beau grenache majoritaire sur Rasto? Eh bien, j'ai retrouvé dans cette texture la richesse enrobée. Vous aimez, on aime bien évidemment les crus. On va citer les Châteauneuf, les Gigondas et Rasto, ou Kéran qui est juste à côté. On les aime quand même pour cette richesse. Mais cette richesse, il ne faut pas qu'elle soit entêtante, il ne faut pas qu'elle déséquilibre le vin. Donc enrobé, un peu extrait, et c'est une série de 21, les 2 millésimes que j'ai dégustés, 2021 et surtout beaucoup de 2020. 21, il y a une prime au fruit dans ce grenache qui est extraordinaire. Et j'ai aimé, dans le domaine Champfort, ce fruit qui est en 21. Alors, ce n'est pas une variété très large d'expression fruitée. L'expression fruitée est plutôt soit sur la cerise et surtout beaucoup sur la framboise. Énormément de framboise, ce signe à millésime avec d'assez belles acidités. Et vous savez, cette framboise qu'on a quand on est enfant, quand on mange les petites gaufrettes à la framboise de mémoire, je crois que ça doit être de chez Lu. C'est très particulier parce que c'est assez sucré, mais en même temps, c'est assez acidulé quand ça craque comme ça en bouche. Et ben, j'ai retrouvé ces notes un peu enfantines dans pas mal de grenaches. Champfort, il y avait ce que ça, belle finale, belle longueur, un peu plus chaud, un peu sauvage aussi. Deuxième vin, deuxième domaine, une grande découverte. On va foncer les voir, on va se faire une vidéo avec eux. Je ne connaissais pas leur vin. C'est le domaine de la Buissonnade avec 2 cuvées qui sont très bien sorties. Leur première cuvée qui s'appelle L'Envol et leur deuxième cuvée qui s'appelle Gusta. Beaucoup de cœur. Texture, grain, fraîcheur, fruité, cerise et framboise, j'en parlais tout à l'heure. C'est direct et franc, ça c'est plutôt sur L'Envol. Et Gusta, c'est un peu plus poussé dans la maturité, pointe légèrement évoluée. C'est vraiment la texture de Rasto, dans ce que je m'imagine dans ce secteur de Rasto, c'est-à-dire des tanins qu'il faut attendre, des raisins qu'il faut attendre pour aller leur gommer cette richesse et cette dureté qu'ils peuvent avoir quand même, parce que c'est quand même assez puissant. Et puis, quelque chose d'assez démonstratif aussi dans les arômes. L'Envol, c'est 90% grenache, 10% syrah, et le Gusta, c'est 70% seulement grenache, et après on a du Mourvèdre et du Carignan. Ce qui explique ce côté un petit peu plus poussé dans la maturité, parce que les Mourvèdres doivent être très très mûrs. Monnier Stéphanie, le domaine, la Buissonnade, la belle découverte de cette dégustation. Parce que je reviens un peu sur mes pas, je connais assez bien la vallée du Rhône, j'ai, en faisant des guides pendant une vingtaine d'années, pu déguster assez régulièrement quand même ce style, donc j'ai pu aussi voir l'évolution du style, et c'est ça qui est un petit important. Alors après cette découverte du domaine de la Buissonnade, un domaine alors relativement récent, ça fait une dizaine d'années qu'il est sur place, on en a pas mal parlé, et on continue d'en parler parce que c'est très bien sorti à l'aveugle, c'est le domaine Boutin, de Michael Boutin, sa cuvée MB, cette cuvée qui est 60% grenache, donc voilà, on est à un équilibre. Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Carignan noir,
c'est ça aussi la variété aussi de ces villages comme, comme Rasto. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous pensez Grenache, mais renseignez-vous aussi, quand vous aimez ces vins, vous aimez peut-être des équilibres un petit peu plus syrah, un petit peu plus Mourvèdre. Et il y a aussi du Carignan. Il y a possibilité de mettre de mémoire, je crois, jusqu'à 20%, 10 à 20% de Carignan. Sur Carignan qui amène une certaine acidité. Donc sur ces terres déjà qui ont ces rocailles, ces terres assez rocailleuses, ça amène beaucoup d'énergie dans les vins. Un 2020 que j'ai joliment noté. J'ai mis des notes plus sauvages, des notes de thé noir d'Ongan. Cette puissance qu'on aime, encore une fois, dans la texture des Rasto, richesse de saveur, vraiment, on est dans le cru, on est au cœur du cru, savoureux et de bel âge longe, et déjà assez ouvert, parce qu'il y a des vins, effectivement, quand on fait une dégustation, bah, c'est normal, la priorité est donnée aux vins qui se coûtent bien sur l'instant. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont plutôt fermés, je reparlerai du millésime 2019 tout à l'heure, beaucoup de 2019 se referment, ça va être des beaux vins, mais en ce moment, ils sont un peu moins sexy que les 2020 qui se goûtent particulièrement bien. Michael Boutin, pardon, 2020 à la cuvée MB. Et on est, voilà, on est dans les prix, on est dans les prix sages. 11 euros au départ du caveau. C'est très sage. Là, on continue. Je disais, j'évoquais, je marche un peu sur mes pas de temps en temps. Domaine Notre-Dame des Palières, les Ribes. Voilà, la famille Roux. C'est bien sorti. Joli parfum, complexe, fruité. Gardez une grosse part de fruits en rétro. J'ai marqué, j'aime beaucoup. Voilà, c'est ces dimensions des 2020 qui ont conservé une part de fruits quand même très importante. Ça, c'est la cuvée Ribes. Alors, cette cuvée Ribes, elle a une part de grenache importante. Je regarde. 70%. Mourvèdre et Syrah, Cinsault complètent tout ça. Le prix est très sympa. Encore une fois, les Rasto, les premières cuvées de Rasto chez les bons domaines, vous êtes aux alentours de 10, 11, 12 euros. Ce sont des très belles affaires, hein, puisque Rasto, potentiellement en ce moment, et c'est un cru qui est en train de monter en puissance et qui, en montant en puissance, bah, attire bien évidemment les grands marchés export, les grands marchés internationaux, même si Rasto a déjà une bonne notoriété à l'international. Mais voilà, pour 11,50 euros, quand je vois cette cuvée les Ribes, je suis, et moi qui goûte régulièrement beaucoup d'autres appellations, je suis dans le très bon de ce rapport qualité-prix. Qualité-prix là. L'autre vin que j'ai bien aimé, encore une fois, par son côté très classique, mais bien fait, on veut avoir une idée juste de Rasto, le domaine Beau Mistral, la cuvée Florian Naël, je sais que c'est un fils, donc Naël, ça doit être bien évidemment un autre enfant. On rencontre souvent c'est un petit gag des fois quand j'essaie de deviner d'où viennent les noms des cuvées, et les noms des enfants inspirent énormément nos vignerons et nos vigneronnes, ce qui est normal. Beau Mistral, c'est vraiment ce vieux grenache sexy, suave dans toute sa splendeur. Sixième domaine, on monte en puissance. J'ai beaucoup aimé domaine La Luminaille. Alors, ceux qui connaissent le secteur connaissent déjà un petit peu. Julie Paolucci, c'est la cuvée Garance qui m'a vraiment tapé dans le palais. J'ai noté des nuances qui m'évoquaient les grands Tempranillo espagnols. Et quand j'ai regardé l'affiche, bon, il n'y en a pourtant que 20%, mais Tempranillo, c'est le Mourvèdre. Ce Mourvèdre, il parle assez fort parce que je pense qu'il a une maturité vraiment très poussée. Et ce qui m'a beaucoup plus, c'est cette nuance, c'est très fin en tanin, c'est vraiment ces grands cépages méditerranéens qu'on les récolte à la parfaite maturité, vraiment ces peaux qui se délitent et qui donnent des tanins si soyeux en texture. Cuvée Garance, j'ai adoré. 18 euros, 60% grenache, Carignan Mourvèdre, je l'ai évoqué, le Mourvèdre, on ira les voir, ça vaut vraiment le coup. Huitième domaine, ah, comment ne pas évoquer les Escaravailles. C'est un de mes domaines fétiches sur Rasto, on les suit depuis longtemps. L'appellation Rasto doit beaucoup aux Escaravailles parce que je connais énormément d'amateurs qui découvrent Rasto avec ce domaine qui, c'est vrai, fait des vins qui ont de la maturité, c'est sûr, mais toujours une épaisseur, une douceur. C'est toujours très mûr et ça ne...
termine jamais avec lourdeur. Il y a une patte, vraiment, la famille Ferrand, il y a vraiment une patte. Les deux cuvées, la cuvée Grenache Syrah, la Ponce, ça c'est vraiment celle que vous trouvez le plus facilement, c'est le cheval de bataille du domaine. Et puis, une cuvée plus rare, c'est Héritage 1924, qui évoque les très vieilles vignes de Grenache. On est dans tous les cas dans du Grenache noir 100% dans Héritage et 80% Grenache dans la Ponce. C'est très bon, c'est très recherché. C'est déjà à des prix un petit peu plus élevés, ce qui est normal, mais encore accessible. La Ponce, on est aux alentours de 13 € domaine et un peu moins de 20 €, 18, 19, 20 € pour Héritage. Mais quand même, c'est pour cette structure de Grenache, quand on va chez les petits copains de Châteauneuf, pour ne pas les citer, je peux vous dire qu'il faut rajouter au moins 20, voire 30, voire pour moi, peut-être même 40 € pour arriver à ce niveau de qualité. Les Escaravailles, on y croit vraiment, c'est vraiment le domaine phare. Si vous ne le connaissez pas, ben c'est génial, vous allez vraiment découvrir. Et si vous le connaissez, je n'invente rien, vous connaissez tout ça. Dégustation à l'aveugle, ça c'est génial, on enlève la chaussette et puis on découvre les étiquettes. Alors, on a eu jusqu'à présent aussi des belles découvertes, des valeurs sûres. Et là, je reviens sur une valeur sûre. Alors, c'est la famille... Le domaine s'appelle Rabache-Chavarin, connu, la famille Couturier. On est dans le village d'à côté qui s'appelle Kéran, bien évidemment. Beaucoup de propriétés ont les deux appellations, Kéran et Rasto. Et c'est vrai que le Rasto de chez Couturier, je n'avais plus tellement je m'en faisais pas une idée très très précise. Et là, j'ai retrouvé un style que j'ai adoré. J'ai trouvé du menthol. Il n'y en a pas beaucoup, des grenaches avec ces nuances de la fraîcheur, une belle finesse de texture, de la longe veloutée, superbe, je m'enflamme. Combinaison du volume et du digeste avec une lisibilité évidente, c'est-à-dire voilà, ça veut dire que ça va plaire aux férus, aux fous de vin qui collectionnent les grenaches, les beaux grenaches du sud de la vallée du Rhône, et ça va aussi plaire à votre belle-mère, à votre beau-père, à votre beau-frère que vous pouvez pas saquer, mais vous leur servez quand même une bonne bouteille parce que on est en famille et qu'on peut pas faire autrement. Le Rabache-Chavarin Rasto, c'était le classique en 2020, j'ai adoré. Et c'est cette si belle matière, elle coûte 15,50 € au domaine. Voilà, moi je tripe, je trouve qu'en ce moment je tripe à fond sur ces crus qui ne sont pas rattrapés encore par l'inflation. Foncez Rasto 2020 Rabache-Chavarin, c'est pas facile à dire. Pour 15,50 €, je m'en prends un carton de 12. 9e domaine. Grand classique, immense classique. J'ai commencé à découvrir cette appellation par ce domaine. C'est le domaine de la Soumade. C'est un domaine, on le présente plus. Fleur de confiance, il y a un recul immense dans la famille Romero. Le père, en passant, grand fan de l'OM. Des anecdotes dans cette cave assez dingues. Le fils, Frédéric. C'est le Rasto... hyper structuré. Le Rasto, on peut le dire, plutôt d'automne et d'hiver pour des plats avec des sauces. Mais qu'est-ce que ça tient bien et qu'est-ce que ça vieillit bien. Là, c'est le millésime 2019. 2019, j'ai eu une dizaine d'échantillons. Pas évident ce millésime. Très beau millésime qui tiendra très bien, mais qui en ce moment se referme. Donc, on est un petit peu sur la fermeté des tanins et qu'on est à côté de 2020 qui reste hyper sexy avec ses arômes. On a de passer de 2020 à 2019 en ce moment, ça veut dire que les 2019, on les oublie, on va commencer à les mettre de côté. Et c'est vrai que Fleur de confiance de Soumade, j'ai des années 80 dans ma cave, c'est superbe, ça tient encore magnifiquement. Alors pour ce quasiment pur grenache de la Soumade, l'ancienneté, la reconnaissance et la notoriété du domaine fait qu'on est dans des prix un petit peu plus hauts, on est aux alentours de 29-30 €, mais la Soumade a tellement, on l'a souvent mis par exemple à l'aveugle dans des dégustations d'autres très grands et beaucoup plus chers
Grenache noir qui s'en sort toujours très très bien. Voilà, c'est un très joli investissement, mais ce 19, je le garde. Et on va terminer avec une originalité, un vin de Xavier Vignon. Xavier Vignon, si vous êtes abonné à Tellement Soif, vous le suivez puisqu'on l'a interviewé plusieurs fois. Passionnant food Grenache qui a monté une gamme étonnante sur ces jolies étiquettes qu'on reconnaît bien. Là, c'est la série Arcane. La cuvée s'appelle Butler. Il nous a mis ça dans une bouteille un peu bordelaise. C'est pas forcément l'idée du siècle, mais je ne commande pas. Surtout, c'est un très fin dégustateur, Xavier Vignon. Et il a travaillé, il travaille des fois le millésime, il travaille des fois les terroirs. Et quand il travaille les terroirs, eh bien, il essaye d'estomper le millésime. Donc c'est un multi-millésime, c'est un non-millésimé. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est, si vous voulez avoir la définition au plus proche d'un terroir, parce que c'est pas, il y a de différents terroirs bien évidemment sur Rasto, mais d'un terroir, ça vous donne une lecture très claire. Beaucoup de chair, et cette chair, elle raconte l'intensité, on va dire, de la part de jeunesse du millésime qu'il y a quand même dans cette partie-là. Une expression beaucoup plus terrienne sur la fin de bouche. On retrouve le thé noir, un marqueur que j'ai bien aimé dans, quand même sur les fins de bouche de ces Rasto, pour ne pas dire à la fin, je dis même des arômes tertiaires. Et là, on revient encore une fois à quel moment consommer ces Rasto. Les 2020, il y a du fruit, vous pouvez y aller. C'est vraiment, on va dire, toute saison et avec beaucoup de plats qui ne sont pas forcément ni dans la réduction ni dans les épices. Là, sur ce multimillésime, on arrive sur quelque chose qui demande des plats beaucoup plus roboratifs, avec des cuissons longues qui racontent cette cuisine provençale aussi, avec le bœuf notamment en cuisson très longue. Voilà, c'est un choix sur une collection d'une quarantaine. On va faire une autre vidéo pour parler des vins doux naturels. Et ça aussi, c'est une sacrée aventure qui complète la grande aventure de Rasto.